Ah, ça dérange, ça dérange. Ah non, mais hyper chaud ici. Hyper chaud. Hyper chaud. Hyper chaud, hyper chaud. Repartager, repartager. Il va un peu par le nain du jardin. Il disait tantôt, tout est à revoir. Ok? Tout est à revoir. Michel Essumba, ta vie est à revoir. Ouais. Perpétue Maléba, ta vie est à revoir. Ok? Frédéric, ta vie est à revoir. Oui. Quand je passe tout le temps à dire que nous sommes en politique. Oui, nous sommes en politique. Michel Essumba, 3 500 vues. Même Claude Akam, mais bip. Mais bip. Michel Essumba va dire quoi? Écalder. Hein? Est-ce que Michel Essumba, c'est un poulet que ça ignore le jour de sa daille? Écalder. Hein? Nous avons déjà tout vu ici. Quand je dis tout est à revoir, vous là. Vous qui vagouillez le monde de nuit là, vous êtes mélangés. Et celle de Michel et Sumba, papy de Longchamp, papy de Longchamp. Voilà donc alors les hommes que vous fréquentez, vous les femmes là, vous arrivez ici en bengue. Ok? Vous vous foutez de la gueule de celles qui s'occupent des personnes âgées, de celles qui se font du ménage, ainsi de suite. Hein? Vous êtes là, vos vies sont étalées là sur Facebook. Michel et Sumba. Voilà. Quelqu'un que vous avez choisi, que oui, quand vous avez des problèmes, voilà, il ramène son charisme et il essaie un peu de régler. Hein? Toi, tu vas venir et un peu tu dis, tu ne chutes pas. Mais tu dis quand même que oui, l'odeur qui sort de sa bouche, tu comprends? Voilà. Il dit, Michel Essumba, est-ce que tu as vu ta bouche? Tu as vu tes lèvres? Tu as vu, il dit que la, ça dit ta bouche là. Hein? Tu crois que c'est facile? Toi, tu vas venir dire que oui, les autres, vous êtes chez vous là-bas là. Tandis qu'on dit que oui, vous puez de partout, hein, vous coulez de partout. Youberandem, quand tu viens te mettre sur Yanga. Moi, je m'en fiche de vos histoires-là. Hein. Voilà. Parce que tu avais 3 500 vues. Et Kodakam, c'est lui qui me bible là-bas. Là. Youberandem, tu ne vois pas. C'est sûr que tu as une grosse langue. Et les gens qui ont une grosse langue, voilà. Ça dit 80%, c'est souvent à un revoir. Voilà. Comment tu peux venir dire que oui, grand frère, je te parle, voilà, calmement, ainsi de suite. Et après, tu commences à, tu appuies, tu dis que oui, ta copine ne veut pas parce que la bouche Nyumba, hein, les odeurs. Toi-même, tu as vu ta bouche là, Michel Essumba, tu as vu ça. Tu as vu ça. Hein? Quelles sont ces femmes, l'homme est à un, hein? Elles sont déjà à 128. Michel Essumba, ils ont envoyé nous, mais nous avons vu ton cas ici. Hein? J'espère que tu vas continuer, voilà. Tu es Yasta, on t'a fabriqué. Vous avez pris à Tango, vous avez mis sur un grillage. Vous avez pris au Tam, vous avez mis sur un grillage. J'avais averti à ces deux fibetés là qu'un Mikalga avait cette couillotte là. Mikalga, ils n'ont même pas compris, surtout à Tango. Je vois celui d'Atango, il est faible. Oman malmené, l'enfant de Cruy, l'enfant de Cruy. Vous là, vous êtes même dans quoi? Ab Ana Ngamba, Ab ceci. Beaucoup d'accam, Bendoumbo en danger, vous êtes même comment même. Mais Jean, voilà donc alors on nous traite, on ne respecte plus la diaspora. Nous on connaît autant quand les gens de la diaspora venaient au pays, à nous, Abimou Lougou ou Lougou. Maintenant on ne respecte plus. Hein? Moi on me respecte parce qu'on voit que je travaille. J'ai dit, toi Michel Essumba, apparemment tu as tellement eu d'argent et on dit que. Rien, rien, rien. On voit seulement les chaussures dans les soirées. On voit ceci. Et à Baswanaoun. Hein? Toi, Michel Essumba, quand tu peux venir, parce que chez vous, là-bas, là, vous insultez les bouches des gens et les dents des gens. Alors que parmi vous, hein, vous avez des dents de cru dans la gueule. Les dents de la médecine française. Et c'est moi qui paye ça. Oui, oui. Vous travaillez pour contribuer à la sécu. Hein? C'est les nous. Hein? Vous venez insulter les gens, vous êtes président Wakana,
Anou maman, je ne vais pas t'insulter. Hein, au fur et à mesure que tu dis que je ne vais pas t'insulter, tu augmentes la vitesse de croisière, tu dis que hein, ta copine refuse un mot parce que hein, sa bouche fait quoi? Hein? Tu ne vois pas ta bouche là? Hein? You are Yankee, you are Yankee. Regarde, you are Yankee. Et tes lèvres comme voilà Homer Simpson. Oui, oui, oui. C'est tout le monde qui vient déjà les rapamis qui sortent déjà de leur clou. Ça vient aussi parler. Hein? Même Papa Paul Avoque Macabo, vous là. Oui. Même Papa Paul Avoque Macabo. Tout cela, c'est à la présidence. Que Michel Essomba Ongabi a 200 000 euros, a ceci, a cela. Hein? Rien, bilolo. Même le ticket de Mendanga, on ne peut pas t'attribuer ça. Wazoukouli. Il dit, comme le Ngangarou de Suisse est derrière vos conneries là. Tu comprends, non? Le président Modé, président, et on, ça veut dire, jusqu'à quand il va d'ailleurs, il est président. Ouais. Il est président. J'ai dit qu'il est président. Même si vous venez dire quoi, oh, 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 nul ne peut être blanc. Tu comprends, non? Voilà, à 100%. Nous tous là, nous avons des déchets. Ok? Voilà, il sera président parce que le Ngangarou de Suisse fait son malin, la mort, tu as beaucoup de chum. Il ne suit plus avec vous. Alors qu'il est derrière comme une misarène. Hein? Vous supportez les gens qui partent faire le ndok chez les gens, surtout chez les femmes. Hein? Ça casse les vases. Hein? Ça part au salon hoche. Il arrive à 2 ans noir comme un fusil. Hein? Avec ses tenues noires. Hein? À mon président. Ouais. Faut de l'île venait sur me dire. Andy Bosca, tu aimes comment le gars si. Supporte ton frère. Ouais, je lui avais dit que c'est à cause de toi, je l'avais framponné. Oh, ah. Hein? Vous savez même comment même? Hein? Toi, Michel Essomba, tu viens là avec ta bouche là comme les taux. Hein? Et je ne peux même pas dire que oui, c'est une belle brèche. Hein? Va aussi faire comme compresseur. Elle va prendre les dents de cuir. Vous êtes là-bas, là. Bidoubinga kouyamimbil. Hein? Avec tout ce que tu as eu dans ta vie, si tu étais donc alors intelligent, à un moment, tu dis que oui, ce n'est plus Michel Essomba d'avant. Ah bon? Avant même quand on dit que tu avais l'argent, tu n'as rien fait. Hein? Et maintenant, là où c'est déjà chaos, là, à un moment, chérie, je crois peut-être que c'est à Tango que tu appelais chérie. Hein? N'importe quoi. Les stars camerounaises, les femmes camerounaises, il faut les voir des parvenus. Hein? Dans des soirées, des chaussures, à nous, on a des arcs-en-ciel, toutes les couleurs, hein, abe, louboutin, abe, ce sont tels qui ont toutes les, ça dit, tous les problèmes dans la vie réelle. Hein, Amoud, si tu veux, va me porter plainte, Anna Wama, attends, quand tu vois Amoud, hein, il ressemble à ça, hein. Vous demandez aux gens de respecter les gens, dès qu'on commence à les respecter, vous venez encore dire que non, il ne faut pas respecter, il est président. Il est président. À nous, Michel Essomba. Hein? 3500 vues. Voilà donc alors la bête écologie. J'ai dit Amoud. Vous qui dites que, toi du Cameroun qui dit que, si Amoud, si Lolo tente un peu de faire allusion au problème là, dans son émission, hein, Lolo n'a même pas besoin de faire allusion. Tu sais très bien quand on invite. Ouais, dès que le journaliste finit, voilà, parfois le journaliste un peu dit, bon voilà, monsieur l'invité, monsieur le président, parce que ce jour-là ne va pas appeler Amoud, hein, président. Voilà, monsieur le président, est-ce que, oui, concernant la toile, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ce qu'Amoud va dire là, ça ne concerne pas madame la journaliste. Ok? Voilà, ça ne va pas concerner la madame la journaliste. Ça veut dire, madame la journaliste finit de poser ses questions. Voilà, il y a toujours ce qu'on appelle l'intelligence, ok? Peut-être l'invité ne pouvait pas parler, voilà, ok? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à dire concernant la toile camerounaise? Allah, Modou Frampon, vous allez venir dire quoi? Vous allez venir dire que oui, c'est le lot? Bête va du Cameroun, hein? Hein? Et tu osais dire que oui, le lot t'a écouté? Elle t'a écouté avec quoi? L'émission est passée? Elle a exécuté ce que tu as dit. Regarde, je t'ai dit, frère, tu as vendu ton âme, ok? Je vais te dire pourquoi tu as vendu ton âme.
Quand tu avais chuté là-bas, là, en Espagne, hein, c'est la nature qui te demandait, retourne là où tu sors. Ok? Voilà. Tu sais pourquoi? Tu allais à l'hôpital. Tu comprends? Là-bas, là, il n'y avait pas de psychologue. C'était pour résoudre le problème de tes os. Hein, du camer. Tu as fait un an là-bas, là. Si tu étais intelligent, qu'est-ce qu'il fallait faire? Hein? Tu quittes non seulement à pied au pays. Aujourd'hui, tu as des pieds plats. Tu quittes à pied. Tu arrives. Hein? Ça dit, dès que tu touches l'hôtel, ça dit le sol d'un bengue, c'est dans l'accident. Tu as chuté avec les narines. Tu as rebondi. Tu es devenu ton, à les pieds, un pied, le pied grand, que jusqu'au côté là. La preuve, ton pied là ne touche pas l'accélérateur. Hein? Tu étais parti chez le psychologue. Est-ce que tu étais parti chez le psychologue? Hein? Déjà marcher à pied, même si tu réussis, regardez le cas de Nicole Kétia, Isakam. Lui, elle a réussi sans faire l'accident à part son derrière qu'on avait transformé en coupion de dinde. Hein? Toi, tu es parti chez le psychologue. Et c'est toi qui m'as venu dire que oui, ici, Lolo tente un peu, voilà, de faire allusion. Non, Lolo ne peut même pas faire. Lolo, j'espère que depuis qu'elle a programmé, elle a déjà des questions à poser. OK? Avant que cette histoire-là ne commence. Maintenant, Monsieur le Président, voilà, nous avons fait le tour. Est-ce que vous avez, vous savez, voilà, nous sommes les stars Bakata. Est-ce que, hein, vous avez, voilà, quelque chose concernant la toile, voilà, hein? Ici, à mon frampon, hein, je vis en France. Ça dit, je framponne la loi française. Tu veux vous allez venir dire que c'est le lot? Hein? Alors que depuis là, vous êtes en train de dire que non, moi, je vais commencer à suivre le lot. Et l'histoire sort, bam. Donc, vous avez peur. Vous avez peur. Il va framponner ça propre. 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 J'ai dit propre. N'importe quoi. Vous croyez que vous venez balancer les gens, hein? Des rats parmi sortent de leur cou pour venir parler, hein? Raconter des conneries. Alors qu'elles ont des cœurs de poulet, elles ont besoin des gens comme les amours, hein, pour les protéger, hein. Vous êtes là. Pour les mes amis, big up, big up, big up. Merci, merci, merci. Non, mais du quand même, franchement, vendre de sa dignité, c'est, hein. Vous lui avez dit, vraiment, tu as vraiment perdu raison. Tu es content. Regarde, quand Mafou est venu passer deux fois. OK? Deux fois. Le 31 décembre, elle est montée de Komamougou. C'est pour venir te souhaiter la bonne année par anticipation parce que je voyage. Tu as eu l'engoumé. Elle est revenue quelques jours après avec 5000 abeilles qui s'étaient abonnées. OK? Et le lendemain, je la framponne. Tu pouvais faire ça. C'est les mêmes questions qu'elle te pose. Donc, homme loi. Mes 20 000 étoiles, je framponne ça propre. Et toi, tu dis que oui, je pleure. Tu es malade, frère. Va te soigner. Va te soigner. Je vous ai approuvé par A plus B là sur la toile. Et si mes commandes de têtes de mouton, voilà, quand c'est fini, si les têtes sont prêtes, je vais vous manger. Mais midi, vous allez voir le bouillon de têtes de mouton. Why? Parce que vous êtes des moutons. Ok, vous n'êtes pas, il y a diaspora et diaspora, il y a la diaspora négative et la diaspora positive, hein? Moi j'en fais de la diaspora positive, oui, ok, j'en fais, mais toi, hein? La matinale, c'est grâce à moi tu fais la matinale, hein? Tu fais la matinale, c'est grâce à moi tu montres que oui tu vis, je t'avais dit que non, il n'y a pas de sous-métier, tu comprends? Hein? Et on te voit mendier les étoiles. Hein? Une étoile, à quelle valeur? Hein? Je pourrais comprendre si c'était 1 euro. Nous tous, on allait discuter ça. Ah oui! On allait s'agenouiller pour que, oui, nos pages ne soient pas signalées. Hein? Toi, mendiant, hein? Tu passes du temps, tu manques là où tu dors. C'est le chez toi. Moi, je t'ai dit, écoute-moi très bien. Je vais ressortir tes vidéos sur YouTube là où tu confirmes à toute la toile que non, méfiez-vous. Comme tu as confirmé l'autre jour que non, de comment vous s'est repéré les faux profils. Ah, ouais. Moi, quand je me concentre,
Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, Mikalga. Parfois, je parle de certaines choses ici-là et ça se réalise quelques jours après. Tu comprends? Nous ne sommes pas même chose. Les gens que tu sais, fais ta mendicité là, tout seul. Tu comprends? Voilà donc alors les abeilles ton Shiba. Que il était temps qu'on vienne sauver du Cameroun parce qu'il est temps que de l'île. Hein? Voilà, le pasteur, la vieille coyote qui est là-bas, là, qui vient se vanter que lui, elle dort dans les villas de 80 000 euros. Hein? Et c'est elle qui dit que oui, ça ne suit pas de Komamougou, mais elle est au courant de tout, elle fait sa comédie. Hein? Pourquoi vous êtes même minable comme ça, là, vous, là? La mémé qui vient jouer les dons dans le désert du nain du jardin. Hein? Pourquoi vous ne voulez même pas souvent vous respecter? Respectez même vous souvent, non? Hein? Tu viens là, devant, si c'est celle qui a des pattes en forme de cœur de rat, là, te vanter que oui, toi tu dors, tandis que elle est en train de faire les roues casse-casse. Hein? Elle dit qu'elle est en chantier. Hein? Toi tu viens, dis que tu dors déjà dans les maisons, voilà. Tu dis que Dekomamougou ne peut pas dormir, tu ne peux pas dormir avec Dekomatan. Dekomamougou vient te dire qu'il veut dormir avec toi. Même qu'à ta voix là. Hein? Ta voix là ressemble à une voix d'une femme que son ton respire encore. Hein? Qui pas encore fait de l'effort dans un lit. Non, mais disons-nous un peu de vérité. Vous venez là vous vanter parce que vous voyez ma fou. Hein? Vous venez là, oh, 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 c'est mon nom. Hein? Je ne peux pas dormir avec Dekomamougou. Qu'est-ce qu'il y a même Dekomamougou? Hein? Pourquoi même faire allusion? Hein, si vous ne pouvez pas, pourquoi venir parler devant les gens? Vous voulez vous faire voir? Non? De comment vous allez dire? Ok? J'ai dit là sur la toile. Sur la toile. Ça, c'est une vérité. Hein? Si on regarde la vie de tous les garçons, ok? Quand ils ont commencé à go avec les femmes, aucun. Ça, c'est une vérité. Ça, je peux vous dire la vérité. Aucun. Aucun. C'est sur Facebook. Ignace. Ils ont commencé à Ignace. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ce que je vous dis là, vous voyez très bien mes gazelles. Hein? Tandis que oui, ils étaient là, les liés, moi, ils faisaient mes enfants. Ok? Donc ça veut dire, aucun garçon là sur la toile, en termes de femmes, que oui, on a aimé un homme, aucun. Et comme ça là, je vous dis toujours pour rien, on m'aime comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne souffre pas. Pour ça, je ne souffre pas. Non? J'aime même passer le temps à fuir. Ok? C'est même la métisse là qui me fait en sorte que je commence un peu à éviter. Ok? Je pouvais me retrouver ici même avec 1000 enfants, 1000 métisses. Oh! À l'époque, je suis arrivé ici avec mon petit signe. Tous les gars étaient avec des sous-vêtements, des baguettes, avec des gros machins. Ouais? Il suffisait seulement de prendre mon journal équipe. Je suis à la plage. Avec mon petit pack. On venait caresser. Il n'y avait pas encore vos histoires de sites de gags là. Ok? Ça veut dire, quand une gardeya, voilà, en passant, ça vient te voir. Ça vient te dire. Ça te propose un café. Ça te propose un verre. Et voilà le mariage qui est parti. Et vous arrivez ici, des provolos, hein? Vous quittez au pays bête, vous arrivez ici, là où il y a toute l'intelligence, toutes les réalités de la vie. Hein? Rien n'entre. Je ne suis pas comme vous. Hein? Moi, je continue à dire, je suis quitté au pays, tête vide. Ce n'est pas qu'elle ne savait pas écrire mon nom. Mais Mbengue m'en a mis là-dedans. Je ne maîtrisais pas cette réalité de la vie. Okay? Même le système français nous enseigne beaucoup de choses. Okay? Vous, là, vous êtes ici, vous profitez de ça. Hein? Mais vous insultez les Français tous les jours. Vous insultez la France. Hein? Vous payez vos appartements 11 euros le mois. Voyez? Parce que vous grattez les couilles au canapé. Hein? Parce que certains de vous, vous êtes mal isolés, ainsi de suite. Je parle de vous qui parlez mal de la France, avec tout ce qui se passe là. Et que vous vivez en France. Et que vous profitez du système. Ok? Voilà. Je ne vendrai jamais mon âme. Ok? Pour avoir un quelconque soutien. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Si j'étais celui-là du Cambino, ok? La façon que Mafou m'a flatté depuis Surens, ouais? Ok? Elle est venue. Ce n'est pas comme elle vient là. Tu comprends, non?
pour essayer d'attirer l'attention. Non, 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 non. Ça dit, c'est depuis. Elle attend que ça. Tu comprends? Elle attend que ça. OK? Et je vais te dire que ce soit elle-même, que ce soit certaines abeilles, savent que toi, on ne peut pas aller en cachette avec toi. Regarde, même quand elle te framponne souvent, hein, quand elle te framponne souvent, regarde très bien. Elle te framponne du début à la fin. Le conquérir avec moi. Et toi, la vieille peau là, je dis très bien, fausse est agenouillée. Tu comprends? Je dis agenouillée, elle a clapé ma main au rein. Tu comprends? En demandant à ma mère que, s'il te plaît, dis à des comme de ne plus me framponner. Tu comprends? Tu viens là, tu étais là-bas. Hein? Va même encore voir ses directs, elle va vous dire. La maman de Dekoma, c'est un conteneur de maman. C'est pour ça que j'ai fait comprendre à du candidat que non. S'il faut jouer dans ces jeux-là, tu es mal barré. Tu n'es pas un soutien. Tu comprends? Tu es un mendiant. OK? Une fois, on sait que tu es mendiant, plus personne, des personnes réfléchies, ne peut pas te faire confiance. On ne peut que profiter de toi dans les pareils sujets. Quand tu mets le tigre en mouche. OK? Voilà. Ma faute vient de chez toi tous ces derniers temps-ci pour faire mal. Hein? La dernière fois à Dougoutigui. Et cette fois-ci, parce que tu as mis le tigre. Tu comprends? On sait que oui, les Ndogmongo des mendiants, OK, ne gardent jamais de secrets. À cause de moi, il ne peut pas dire grâce parce que c'était une mauvaise chose. C'est que tu reproches, OK, à la lionne, tu as fait ça. OK, tu as insulté ma foule. Tu as insulté les abeilles. Il y en a qui te gardent dedans. Le petit truc là, quand tu framponnes un peu les ennemis là, il vient là. Tu montres tes dents en forme en tes grains de maïs en forme de dents. Tu dis que, ouais. Hein? Et le matin, tu tombes sur la lionne. Tu demandes à Betka sur ce monde de ne pas aller, c'est la lionne. Tu vois, tu es jaloux. Tu es jaloux. Tu avais dit que oui, tu étais déjà avec la lionne, tout se passait bien. Loïc est venu tuer ça. Tu es jaloux. Toute personne qui vient vers la lionne en tant qu'homme, hein? Tu es jaloux. Ouais. Tu es comme celle de Génie Junior là. À côté de Sanga Manga. Parce que c'est la carte d'un gars que quand il n'y a que lui, son Joe, hein, fréquentait tel gars. Sa gosse a grippé là-bas là. Ouais. Sa gosse a grippé pour conclure. La même chose qu'elle avait fait avec SJSJ. C'est ça. Vous êtes comme ça. Donc du Cambino, tu es cette catégorie de personnes là. Goodman. Et te cramponne encore ce soir. Ok? En patte de poule. Ok? Veux le petit drapeau français. Au calme. Ce soir. Au calme. Nous entrons en week-end. Vous allez marcher au pas de l'évangile. Oui. Et je te dis encore, regarde très bien à chaque fois que celle qui a des pattes, Madame Bouillon, vient dans tes directs. Dès que tu parles du genre de Komambou, regarde comment elle esquive. Elle t'a posé la question, est-ce qu'il mange encore dans les tiperois? Il fallait seulement tout simplement répondre qu'il a vie. Et tu comprends? Voilà. Moi, je ne change pas. Quand j'aime bien mon couloir, j'ai mon couloir. Et vous allez voir ça ici. OK? Je ne suis pas comme vous. Hein? Vous dites que vous soutenez les gens. Hein? Quand vous remarquez que ça ne fait rien pour vous, vous framponnez. Non, non, moi, je ne suis pas comme ça. Parce que je ne suis pas mendiant. Je comptais d'abord sur mes projets. Je vous ai déjà dit, vous qui faites des projets en comptant dans les poches des, sur les poches des gens, vous avez une mauvaise philosophie. OK? Comptez d'abord, hein, sur tes poches. Tu comprends? Ça dit, démontre aux gens que oui, tu es en train de te battre. Mais vous faites des projets, hein? Le ciment, le sable, on m'a donné tant, un menteur. Hein? Ça te salit toi-même, tu comprends, Bougouni? Voilà. Donc, Minab Michel et Somba, Anna Ngamba, le compresseur, le fleur de lit, le Kodakam, Kodakam. J'ai suivi là, Mboma Danger a dit que vous êtes resté loyal avec Mafou et Jamoud. Ça, c'est vrai. Parce que vous continuez à supporter le président Mou. Ça, c'est vrai. Mais il faut arrêter ce que vous faites. OK? C'est pour ça qu'il dit la toile n'est pas honnête. OK? Quand il y a.
deux personnes. Vous partez donner les vues à une seule personne. Alors, vous voulez souvent connaître la vérité ou bien, hein, vous voulez souvent gagner les combats en nombre de vues. C'est là où, après, vous commencez à dire que AK, ça avait combien de vues. Dites-moi un peu, c'est la vérité ou bien c'est le nombre de vues que vous gagnez vos combats. Hein? Quand il y a une histoire, n'est-ce pas, deux personnes se framponnent. Hein? Vous voulez souvent nous la vérité ou bien, ok, dis quoi, AK, on ne te calcule pas ou bien, non, 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 non. C'est aussi une mauvaise philosophie. Ok, c'est pour ça que dis souvent, la toile, elle est malhonnête. Et comme la toile, elle est malhonnête, hein, à partir de vous, vous êtes que des rapanistes. Ok, et vous abusez. Hein? Vous abusez. Vous sortez de vos clous. Hein? Ça dit aux heures qui n'étaient pas programmées pour vous. Pour vous, c'est la nuit. Hein? C'est déjà comment que les rapamis sortent de leurs clous en plein jour. Hein? Les Michel et Somba et me consorts. Vous êtes là-bas là. Hein? Anouama, elle prend les airs. Chérie, chérie, je crois même que c'était à Tango. Hein? Hein? Je crois qu'il faut voir la bouche. Hein? De Michel et Somba. Ou Mère Simpson. Babala. Anouama. La brèche de ça. Hein? Plaisir, amour. Je ne peux même pas t'insulter parce que je suis un enfant de bonne famille. Anouama. Hein? N'est-ce pas ma copine là? Hein? Si elle n'accepte pas, n'est-ce pas ça à cause de ta bouche, c'est qui sort de ta bouche? Et tu dis que tu n'insultes pas. Hein? Tu es là, Wandong. Message. Hein? Celle qui a des mains là-bas, là, comme des bonhommes. Compresseur, hein, décoller, 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 hein. Elle est là, elle met les gros cœurs, hein. Depuis qu'on donnait Moulema, elle est partie, elle n'écrit plus français. Voilà. Non, cachez-vous. J'ai dit, c'est vous qui pourrissez, ok? Ça veut dire, on pouvait faire bonne chose dans cette toile, ok? Ça pouvait aussi sensibiliser nos hommes d'État, là. Ne croyez pas que nous ne pouvons pas les sensibiliser, hein. Les papas Paul, les Momo et consorts. Nous sommes ici, là où nous voyons tout. Ok? Nous pouvons faire des directs. Ok? Et dire que ici, c'est comme ça se passe. Comme ça, c'est comme ça. Vous êtes là. Michel et Somba, Wakoukoua, Luang, Wazokwaba. Hein? Wazekad, ma mère, Bespagne. C'est toi qui faisais comme ça, c'est toi qui faisais comme ça. Et alors, donc, tu ne fais plus. N'importe quoi. Moi, je vous dis, hein, Mikalga. Mikalga. Quelles sont ces femmes, hein? Qu'est-ce que nous avons même fait au bon Dieu, hein? Vous avez eu l'argent, vous avez eu l'argent. Minga Bibumwani, hein? C'est où? Vous avez fait quoi avec, hein? Vous avez fait quoi avec, hein? Vous les femmes là, les compresseurs, tu es venu ici en mariage, hein? Tu es venu avec, ça dit les idées d'un métier, hein? T'en as fait quoi? Avec tout ta bellissima, avec tout ta chicota, voilà que tu as appelé corps. Onga Boudje, ça produit quoi? Compresseur part au pays, hein? Il faut voir le canapé là où il dort. Ça dit les salons qu'on vendait autant à 15 000. Hein? Ça dit les bords du canapé, le bois non raboté. Elle pose la tête là. Je comprends pourquoi la tête est devenue comme ça là. Elle me croit menton. Vous partez donner 3000 vues pour des couleries. Des gens qui doivent se cacher là sur Meta avec tout ce que nous avons déjà vu ici. Hein? Vous avez pris Esso et à Tango, vous avez pris celui d'Otam avec sa tête, sa nuque plate là. Hein? Vous avez mis cela sur un plateau. Hein? N'importe quoi. Pitiation. Alors, ma Michel et Somba. Hein? On dit que tu as eu l'argent, tu as eu l'argent. Tu as fait quoi de cet argent-là? Onga Boudi. Onga Boudi. Onga Boudi. N'importe quoi. Moi, je suis comme ça. Lucas l'a dit, quand vous big up, big up. Non, mais les gens, eux, ils croient que, hein, parce que ce sont les hommes d'État,
Hein? Les gens comme les nous, comme ça, on ne peut pas hein, les sensibiliser. Mais ah oui, hein? On peut. Hein? On peut. Nous pouvons. Vous croyez quoi? Hein? On parlait souvent des routes. On parlait souvent des routes. Voilà, des routes. On peut aussi dire, voilà, c'est comme ça pour que la route tienne, hein, pour que ça dure, c'est comme ça. Ici en Europe, on fait comme ça, on fait comme ceci. OK? Mais ils sont là. Après, il y en a qui vont venir là. Il y en a qui vont venir là. Eux, du Cameroun, ça ne vaut pas la peine. Ah. Parce que manger d'abord. Pardon, idée. Oui, Hein? pasteur. Oui. Oui, j'avais quelque chose à dire, pasteur. Ils sont venus là tout à l'heure. La dame là qui venait parler hier disait que le président Amo, il concupe sa femme et tout et tout. Au moins, ça prouve qu'il est un vrai homme. Et aussi, pasteur, je voulais dire quelque chose. Quand elle parlait de Amo concupe sa femme et tout, c'est normal, c'est un vrai homme. Il y a quel homme qui ne concupe pas sa femme dans le foyer? Et aussi, cette dame-là avec qui concupe sa femme, c'est d'abord quel genre de dame? Puisque la plupart sont des bordels. Le rôle des bordels, c'est quoi? C'est de les baiser. Hein, pasteur? Leur rôle, c'est quoi? Est-ce qu'il a concupé sa femme avec des vraies femmes ou vous allez vous fâcher? Il concupe sa femme avec des bordels. Puisque d'après ce que j'entends, c'est que toutes ces femmes-là vendent le piment. Donc, Amot, en tant que chasseur, quand il va à la chasse, il trouve les proies faciles, il allume. Il abat et c'est tout. Mais si vous êtes des femmes, si vous êtes des balles perdues, vous voulez que le rôle d'une balle perdue, c'est qu'il faut la battre. Vous pensez que quoi? Est-ce qu'il concupe sa femme avec des vraies femmes? C'est que vous qui êtes autour de lui là, vous êtes des wakas. D'après ce que j'entends, que vous dites que vous vendez le piment. Et vous pensez que vous allez vendre le piment et on ne va pas vous baiser. Il doit vous utiliser bien même. Après, il vous jette, il repart le soir voir sa femme. Vous vous fatiguez pourquoi? Pourquoi vous fatiguez l'homme d'autrui? C'est un vrai lion. Un vrai lion. C'est un lion même avec grande aile. Ah, zigouille-moi toutes ces femmes-là. Des femmes qu'on dit que eux-mêmes ils viennent d'ici, comme ils vendent le piment, comme ils font ceci. Cette femme-là, n'est-ce pas? Cette femme-là, son mari était venu ici, il dit que il accompagnait sa femme vendre le piment. Donc, si il a compris sa femme vendre le piment, ça veut dire qu'elle-même, donc ils sont mariés affirme qu'elle est bordel. Donc, si Amota a l'opportunité que une bordel aux cuisses légères, si c'est que toi tu es venu à côté avec tes cuisses, tu écartes les pieds, il met dedans et il continue. Et il ne t'assume pas, c'est tout. Pourquoi vous pleurez? Amota, autant que tu peux, cocufie bien Jaguar avec tous ces bordels-là. Cocufie bien, cocufie-moi tous ces. Cocufie-moi bien, Jaguar, avec tous ces bordels-là. Tu les zigouilles. Parce qu'elles sont en manque de pénis. Bon, voilà maintenant un vrai homme qui est là. Il veut vous aider à ne pas mourir. À ne pas mourir avec les rides dans les fesses. Vous êtes là, vous dites que Amo dérange. Mon frère, Amo, tu es un vrai lion. Donc, quand tu peux là, tu les allumes et toutes. Même si Jaguar a une copine qui est bordel, tu allumes les conneries. Parce que c'est leur rôle. Elles ont décidé d'aller en France avec le bordel. Donc, elles sont bordel. Donc, il faut donc. Le rôle de la bordel, c'est quoi? C'est que quand le pénis se lève, elle écarte les cuisses, tu mets dedans et tu continues. C'est tout. Le jour que Jaguar est fatigué, la bordel prend la relève. Comme vous avez dit que vous voulez que les bordels. Comme, assumez votre rôle de bordel. Pourquoi vous dérangez le monsieur de Truy? Jaguar est là-bas à la maison propre. Il va seulement copier.
multiplier Jaguar avec vous. Tant que vous les bordez, vous allez tourner autour de lui, il va tous vous baiser. Tu comprends, non, pasteur? Ouais. Tant que les bordels sont autour de lui, il faut qu'il les baise toutes. Parce que c'est une bande de bordels. D'après ce qu'elle-même disait, hein, pasteur. Puisque le mari de celle qui est venue parler là a dit qu'il amenait la fille vendre le piment, non, pasteur. Ce n'est pas nous qui avons dit, c'est son propre mari qui a dit ici. Voilà. Alors, donc si tu es une vendeuse de piment et que tu marches avec ta copine vendeuse de piment, tu passes à côté de nous, on allume et on continue, on part retrouver nos vraies femmes à la maison. Vous pensez que quoi? Vous pensez que vous allez, vous allez venir vous pavaner à côté de Amour, il va vous regarder, il est votre copine ou quoi? C'est un vrai mal. Donc arrêtez souvent de déranger les gens. Oh, Amota coquifié Jaguar, Amota coquifié Jaguar. Et puis, est-ce qu'il a coquifié Jaguar avec des vraies femmes? Non. Donc, moi, je ne considère pas ça comme un coquificage. Je considère ça comme quelqu'un qui avait soif, il allait à l'hôtel de ville, il a pris une bordée, il a zigoué les fesses, il est rentré à la maison. Et parce que c'est pas ça. Parce qu'il a entouré des filles que, oh, elle vend le piment, oh, elle vend le piment. Oh, elle vend le piment. Mon ami, même quand le lion est dans la forêt, là, même quand le lion est dans la forêt, dans la savane, la pasto, la vraie lion est à côté de lui. Big up. Bisous. Ouais, bisous. Voilà. Amen. Voilà, monsieur Blo, vous passez le bonjour. Voilà. Bonjour. Tu vois un peu, non, pasto? Même le vrai, même quand tu vois le lion dans la savane, hein, pasto, il y a la vraie lionne à côté de lui. Et le jour qu'il quitte à côté la vraie lionne, qui passe balader à la chasse, il tire d'abord même 4 coups avant de rentrer à côté de la lionne. Et maintenant, oui, il tire d'abord même 4 coups dehors. Donc, vous en voulez quoi à Amot? Amot, c'est un vrai mal. Et du camère qui passe le temps à parler que toi, tu es là autour de toi, toutes les filles qui tournent autour de toi, là, après, elles donnent tes insultes parce que tu ne peux pas zigouer l'appareil. L'appareil est fait pour utiliser. Et Amo, tu utilises ça correctement. Une machine qu'on n'utilise pas finit par se rouiller. Laissez les gens tranquilles. C'est même comment? C'est même comment avec vous? Tu as vu, non? Il va mettre l'enfant à quelle femme là? Toi, tu vois quelle femme là parmi elle là pour porter encore la grossesse? C'est des vieilles femmes. C'est des vieilles femmes. Amot a le droit et le devoir de les zigouiller et propre. Moi, je l'encourage. Jaguar, s'il te plaît, tu es la femme de la maison. Reste d'abord à côté. Tant que ces prostituées-là vont se promener à côté de lui, il les zigouille bien et gratuitement et il part. Jaguar, toi, reste à côté. Pour le moment, tu es la femme qu'il a choisie jusqu'à la mort. Tu es la seule qui l'a su. Du camé, regarde, c'est la belle-mère de M. Blo qui m'a envoyé ça. Tu vois? Oui. Regarde. Et tu sais, des petits cadeaux comme ça, là. OK? Donc, laissez nous, on soutient, l'Église soutient à mot propre. On ne discute avec personne. Parce que même les gens qui viennent dénoncer Amod là, ils ne sont pas crédibles. Non. Que quelqu'un de crédible vienne dénoncer Amod, on va comprendre. Tant que vous n'êtes pas crédible là, on ne vous gère pas. Pasteur ne vous gère pas. Tu viens dire que la bouche, tu viens maintenant dire que la bouche de quelqu'un sent. Ça a quoi y voir? Ces bordels-là veulent le peigner, elles ne veulent pas savoir si la bouche sent ou pas. Puisque elles-mêmes savent que c'est le clitoris qui gratte. Et quand le clitoris gratte, il faut que le peigner entre à l'intérieur. Bertrand, te voilà, je dis. N'est pas Papa Nias Langala au pays. N'est pas passé une sorcière. Bertrand, te voilà. Tu as vu comment ma faux. La jalousie de ça. Il perd son temps, pasteur. Il perd son temps. Parce que le gars est jaloux. Moi, j'avais vu ça là depuis quand.
La lionne, l'histoire de la lionne a commencé. Moi, j'ai dit à quand il fanfonnait du Cameroun que tu es un petit jaloux. Il est jaloux de tous les dieux qui viennent récupérer ces Mongols-là devant ses narines. Hein? Le gars souffre. Le gars souffre tellement. Hein? Voici là où je dors. Et il filme toujours sa façon. Hein? Toujours. Hein? Voilà, quand mon Nico, elle a su que sa bouche sang. Elle voulait l'embrasser. Voilà. Voilà. Alors qu'elle a dit qu'elle n'insultait pas. Hein? Je dis que, Amot, comme c'est elles qui sont proches de toi, mon frère, nous ne sommes pas à côté. Zigoule-les toutes, puisque c'est une bande de prostituées. Fracasse leur appareil là. Fracasse ça. Ah nous, on m'a dit Tomba. Cœur de poulet, elle aussi, elle vient parler. Hein? 3 500 vues. Vous êtes Ah là, nous, Wama. vous prenez votre appareil génital, vous baladez avec dans les maisons des Blancs. Maintenant, quand votre frère camerounais utilise, vous dites qu'il coquifie sa femme. Il va seulement coquifier sa femme. Si vous ne voulez pas qu'il coquifie sa femme, quittez à côté de lui. Voilà donc, alors, c'est Michel et Somba, c'est elle alors le vrai Homer Simpson. Bah, quand vous voyez Homer Simpson, c'est elle alors. Hein? Elle a une brèche là à au revoir. Hein? Comment elle peut venir dire que oui, je ne te manque pas de respect, je ne peux pas t'insulter. Hein? Et après, elle commence à dire que oui, si ma copine, alors si ma copine, n'est-ce pas, tu as. Les copines manquent d'abord beaucoup. Amota a zigoué sa copine là propre. Propre. Voilà. Elle raconte les Voilà. conneries. Amota a zigoué sa copine là. Les copines, on connaît ça, non? C'est parce que nous, les hommes, on ne veut pas souvent parler. Quand une fille parle, dit que je n'ai jamais baisé avec le gars là. C'est les conneries. Amota a zigoué la femme là propre. Si ta copine est belle, C'est elle comme fait ça, quoi non? célibataire depuis 2014? Si elle est tellement belle. Hein? Eh, pasto, si sa copine est Et tellement belle. il faut voir les mimbas et je voyais tout le monde là-bas là. Les compresseurs, les ceci. Quand on vous dit que Facebook c'est la politique, quand il passe le temps à dire c'est la politique, les gens ne veulent pas écouter. Elle dit que sa Je te jure, copine est trop même belle. Kodakama bibé, du jamais vu. Pasto, pour du camel, là, non. Il est un Oui. spectateur, il est négligeable jusqu'au dernier degré. La lionne a dit que j'ai dit à la lionne de ne plus jamais sortir sur lui. Non, ça va, le Tu travail, ça va. comprends, non, Pasto? La lionne ne Ton va plus côté aussi, jamais ça répondre à va. du camel. Depuis qu'il pavade, elle ne le répond pas parce qu'on a compris qu'en fait, il est maso, il est tellement jaloux de tout le monde autour de lui que. Même Amer Kama dit à la lionne que ne colle pas ton image à ce feignant-là. Ben oui, mais moi j'avais déjà dit à la Lyon. Qui vient nous dire là où qui vient nous dire là où ton Terminator est passé, Pasto? Terminator est où? Regarde, regarde, c'est comme par exemple, c'est comme par exemple, j'avais dit à Bertrand Chibsomon, parce que les gens viennent dire que c'est moi qui commence à valoriser Bertrand Chibsomon là sur la toile. Tu comprends? Oui, Oui, Pasto. c'est chez Waro que j'ai connu avec ses 11 000 abonnés, tu comprends? Il faisait ses directions de calculaire. Oui, Et c'est pardon. moi qui fais toi que puisse partir là-bas, là. Mais Parce que voilà. c'est je prends le direct de Bertrand Chibsomon. En disant que lui, il peut nous être utile, tu comprends? Oui, pardon. J'ai fait ces coupures qui ont fait mouche et d'ailleurs qu'il est venu me remercier. Est-ce que vous comprenez? Oui, pardon. Mais les gens prennent le temps à jouer à la récup. Isaac Kamé passé à l'église. Nolé Mignon est passé à l'église. Tous ces mondes-là sont passés à l'église. L'église, c'est le meilleur, pasto. Laisse ce que les gens veulent te faire croire là. Tu comprends, non, pasto? L'église, c'est le meilleur. Et ce qui est mauvais, c'est que celui qu'on appelle du camel là, il va mourir aigri et sorcier. C'est un aigri sorcier. Tu comprends, non? Non. C'est quelqu'un qui a été chassé de son propre village. Quand tu le vois, Maningou, c'est Maningou, c'est Maningou, c'est son village là-bas. Il n'a pas dit qu'il est droit là. Non, c'est un villageois, lui. Il te Ah. voit là. Le gars, comment il manque ses dents, il est Il part, il content. dit aux gens que, il est parti dire aux gens que je ne suis pas abbé, je veux clasher ma faux. J'ai besoin de me. Si je veux clasher ma faux, je veux me cacher. Clasher ma faux, pourquoi? Tu es tellement bête, tu gamin. Trop bête. Trop bête. Je suis abeille, je reste abeille et je viens à l'église. En même temps, je suis fidèle de l'église, c'est ton problème. Tu veux toujours diviser les gens. Passe toi, tu dis que l'église, c'est pour tout le monde. Les abeilles, les lolomania, même tes fans, c'est pour tout le monde.
Ce qui est bizarre, c'est que quoi tu y as que je ne le suis pas, je ne le suis pas. Mais ça répète tout ce que j'ai dit. Surtout la vieille peau qui était là-bas là hier. Hein? Ok, milliardaire. Pato, après. Ouais, on se voit ce soir. Ouais. On va faire un bon deal. On va le flamboyer. Lui, je serai en train de vous. Tu le flamboyes. Et te dis, allez, Wama. Au Calga. Voilà. Vous voyez, c'est Pierre qui parlait de Yaewunda. Hein? Zani. Malos ma queue. Allô, Wama. Je te dis que. Vous voyez, vous croyez si de comment vous ne ramène pas la joie quelque part. Regardez, tous sont contaminés. Même à niveau contaminé, tu comprends? Vous comprenez, non? Ça conjugue de comment Mougou. C'est pour ça que je vous dis, ne faites pas comme moi au travail. OK? Mes licences valent de l'or. OK? Inyane, Miliane, Somba. Bebela, Mi, Somba. Onga, Susso, Bene, Dieu, Somba, Vi. Toi, si. Est-ce que tu t'appelles même Somba? Hein? Abima, Nibé, Somba, Bene, Zigri. Hein? Et réfléchis. Hein? Toi, Emilien et Somba, Michel et Somba, est-ce que c'est vraiment ton nom? C'est ton nom? Hein? C'est ton nom? Hein? Toi, Michel et Somba, tu es sûr que c'est ton nom? Hein? Bessomba, vous faites? Hein? Tu te fais manipuler par cette bande là, Wakusu et Manan, ce Salon Kwan, hein? Oazo Kwaba. Hein, je ne peux pas t'insulter en même temps que tu insultes. Qu'est-ce qui vous arrive même à la diaspora? C'est pas vous les femmes là qui devez même nous sauver la diaspora. Si. Hein? Vous avez toutes les portes ouvertes. Voilà, tellement facile. Hein? Du moment que tu sens que tu tenis ton tot. Hein? Et essayer un peu de te mêler. Hein? Vous êtes là sur Facebook, vous raquez les murs. Hein? Un mine, voilà, vous changez des hommes comme vos screens. Hein? Et que d'ailleurs, vous n'en avez même pas. Assez. N'importe quoi. On vous voit boire là sur la toile. Après un jour, hein, quand la nature se décide de vous dévoiler, on voit les dieux dessous crier. Hein? Mais on vous voit là comme franchement. Hein? Bientôt, je vais rentrer au pays. Ouais, bientôt, je vais rentrer au pays. Je ne peux plus accepter qu'on mélange tout le monde dans la même gamelle. Hein? Michel et Somba et Abanaou. Hein? Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Qui vous dit souvent que tout le monde a le droit de parler, n'importe comment? Hein? C'est vous qui êtes dans les saletés. Hein? Et c'est vous. Hein? Vous venez toujours faire comprendre aux gens du pays que oui, ici, hein, vous vivez comme des rappeurs, Nimina, Onoa, Anouama, Papi de Longchamp. Voilà donc alors vos hommes, Michel et Somba. Faut toujours avoir, voilà, voilà les hommes que vous respectez. Mais de comment vous les insultez qui sont sales, vous traitez les dents de comment vous alors que vos dents sont à revoir. Et Manon, c'est toi, monsieur le Sobaton, je dis ça, votre, tu vas me porter seul. Manon, Barangboum, Manon, Betty, ce salon, quoi. Oui.